Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de Kirikou, on continue mon cher Let's Play. On est arrivé dans la grotte, on avait fait l'espèce de désert et maintenant on est dans la grotte. Donc c'est parti. Et oui, les cinématiques ne marchent pas, je sais pas pourquoi. Moi je les vois mais vous les voyez pas quand j'ai regardé les autres vidéos. C'est bien triste, mais bon. Tant pis. Bon, en gros là, ça refaire au passage du dessin animé quand Kirikou il passe par une grotte en fait pour pas que Karaba la voie en gros. Et dans la grotte en fait il y a une espèce de bestiaux qui le poursuivent. Je sais plus trop quoi, enfin bon c'est pas les fétiches hein, mais bon là c'est juste que c'est les ennemis classiques du jeu quoi. Et donc là bien sûr là on va affronter encore une armée de fétiches. Ah ça va. Non, une araignée. Et une fourmis pour tirer. Non, une araignée. Merde. Ah, j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde. Je l'admets. Allez, je suis prêt à la défense maintenant. Pointe à... Ah putain. C'est chiant de devoir se baisser. C'est quoi déjà le chapeau? Ah oui, c'est vrai. Voilà. Sans problème. Voilà, là, à droite, il commence. Là, il y a un rocher qui va te coincer la gueule. Hein? Si. Alors, celle-là, je vais continuer par là. Je vais explorer un peu à droite. Voir ce qu'il y a. Ça a l'air de... Ça a l'air de continuer aussi. Qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a rien. Oh bon, je vais voir là. Comment on fait pour courir déjà? Ah oui, c'est d'accord, c'est ça, c'est vrai. Ouh putain, 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 qu'est-ce qui se passe? Non? Je suis où là? Ah d'accord, je suis là. Bizarre ce niveau, hein. Oh putain, merde. Fais chier, ouais, bon, je vais pas la tuer. Ah non! Attends, j'ai pas vu des pics qui m'ont défoncé la gueule! Mais c'est vicieux ça, je m'y attendais pas. On a à peine eu le temps de les voir. Allez, c'est pas grave. On y retourne, c'est par où? Par là, il y a quoi déjà? Ah oui, c'est vrai, il y a le tambour. Il y a encore un pic. Si je passe en courant. Tant qu'on peut passer à part en commande, et donc il n'y a pas un endroit où on pouvait creuser là, non? Non, c'est vrai, ça nulle part. Voilà, donc, voilà, on se dépêche, on se dépêche. Voilà, on récupère tout bien, bien. Non, un point de sauvegarde, putain, il y avait un point de sauvegarde juste là en plus. Je suis mort juste avant le point de sauvegarde. Ça devrait continuer par la droite, je vais voir ce qu'il y a à gauche. Rien? Ah non, si, il y a un truc au-dessus, ouais, je vais bien un petit trou là. Eh, on me dupe pas comme ça, moi. Voilà, par contre, il y a rien d'autre là. Ouais, bon. Toujours pas de papille. Et d'ailleurs, j'en suis où de mes attaques? Il manque le Wii City et le séisme. Je sais pas si je vais réussir à les trouver. Bon là il y a encore un pic là. On va faire en mode court. Ah bah, c'est pas déclenché. Voilà. J'ai défoncé la fourmi. Fourmi araignée. Voilà. Je vais pas très bien ce qu'il y a en dessous. Un tambour. Un méchant... Voilà, oh, ça va où là? Attends, mais il y avait des trucs qui allaient derrière là. Alors, et là, qu'est-ce qu'il y a? À gauche, il doit y avoir des trucs là. Ah, il fait chier avec son bouclier lui. Non, merde!
Voilà. Non mais. Hop là. Le pouvoir du tam-tam. C'est bon, j'ai vu tout ce qu'il y avait derrière, du coup je peux continuer. Ah, y'a quoi là? Y'a rien là. Bon, je peux redescendre alors. Ah attends, au-dessus là. Y'a un tambour. Une petite plateforme là. Attends. Ah, y'a un papy là. Voilà, la petite plateforme, boum. Papy, je vais tous les défoncer. Enfin, c'est nazi. Bonjour, Kérikou. L'attaque du Wistiti. Alors, c'est haut plus creusé. Quand tu es au sol, appuie sur machin et en même temps, pour lancer une attaque foudroyante. Alors. Ah, alors c'est une espèce de charge. Ouais, ça a l'air sympa. À tester. Le prochain que je rencontre, je fais attaque du Wistiti, il comprend plus rien. Attends, il est pas. Il est vers des trucs encore à droite. Un point de sauvegarde? Bizarre. Est-ce que c'est la continue par là en fait? Je vais voir ce qu'il y a tout à gauche alors. C'est étonnant qu'il y ait un autre papy. Bon, lui, je vais avoir du mal à lui faire l'attaque du city, il vole. Ah, il y a juste une arme en fait. Je suis déjà au max. Bon bah je me casse. On se fait chier ici. Est-ce que déjà c'est... Ah voilà. Faut que je retrouve les touches. J'ai envie de défoncer lui. Attaque de chapeau, voilà, tac tac. Voilà. Alors ça continue en dessous et là, merde. Attends, attaque de city. Dès qu'il se retourne. Alors là, merde. Non, je suis bourré. Merde. Ah, ça marche pas quand on n'a pas d'armes. J'ai une foire et je me suis bourré de touches. Là, je vais faire l'attaque de la foudre lui. Alors, la foudre. Alors, attends, c'est pas le A, c'est ça. Ah non, ça c'est le méga explosion de feu qui tue tout le monde. Du coup, c'est la tuer, mais j'ai consommé un peu beaucoup de mana. Voilà, on passe par là. Merde, j'ai oublié des trucs. Je vais tout prendre. 100% walkthrough. Ouais, je suis en face là. Attends, qu'est-ce qu'il y a à droite là? Un peu de flotte, c'est tout, il n'y a pas d'endroit à creuser. Moi je guette, hein, parce que il doit y en avoir un peu partout. Ah merde, j'ai loupé une goutte. Mais tant pis. Oula, c'est quoi ça? What is that thing? Il m'a défoncé. Attends, il y avait une arme à gauche, mais tant pis. Allez, speedrun, allez. Non! Alors on se dépêche. Alors lui, il a l'air d'être un peu méchant, lui. Il alterne en haut et en bas. Et si je lui dis attaque du city? Voilà. Attaque du city? Maintenant! Merde, fait mal l'attaque du city. Je pense que je vais avoir du mal à le battre. Oh putain, je vais pas sauter en face. Attends, mais à gauche, il y a une arme aussi, là. Hop là. Ça, j'aurais une meilleure arme pour défoncer monsieur bouclier partout là. Conseil à avoir des vrais ennemis, dis donc. Putain, y'a quoi par là? Ah, j'ai déjà vu, il y avait de la flotte, je crois. Moi, j'ai envie de le buter, même si je peux passer à côté. Voilà. Boum! Tagum City and the face. Bon, c'est pas ultra puissant que le Tagum City. C'est juste une petite charge, quoi. Hop là. Voilà, attends. Je voulais voir ce qu'il y avait à droite. Merde, du coup j'ai tout loupé. Non. Voilà, si je retourne là. Hop là. Je vais pas remonter au-dessus là. Oh, c'est dommage. Il y avait juste des bulles.
Des gouttes d'eau. Oh putain, non! J'ai oublié de faire le chapeau. Oh putain! Ça va tout faire monter ça? Carrément! Et là, ça brûle. Hein. Des méga bulles. Ça, ça va être chiant de d'essayer de choper toutes les gouttes d'eau. Bon, c'est un peu ce que je fais, vous allez me dire, mais. J'y apporte pas une très grande importance, mais bon. Allez, on continue. Ouh là là, j'étais en train de me gratter, fallait pas. Allez, je la défonce elle. Ouh, Titi. Tac tac. Ah, on prend toutes les gouttes d'eau. Ah, si, voilà, là on peut creuser là, enfin. Alors, l'œil du tigre. Eye of the Tiger. J'ai déjà dû le dire ça, mais je vais même répéter. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un truc en dessous? Non, il n'y a rien. Et à quoi? Il y a de la flotte. Il y a de la flotte. C'est tout? Bon, en même temps, je m'attendais pas à un papy. J'ai l'impression que plus ça va, moins il y en a des papys. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il fout dans, dans une grotte. Dans oh merde! Eh, je suis déçu là, il saute tout le temps. Je ne sais rien. Je m'en fous, moi je défense. Merde. Non, pardon, pardon, pardon. Non, merde, ça c'est bon. Ah, non, si, c'est taillé, il y avait une arme là. J'avais oublié. Non, oh là là, oh là là. Désolé pour les épileptiques, hein. J'ai pas fait exprès. D'accord, c'est qu'il y avait là-dedans, la salope. Boum. Ah merde, excusez-moi, j'ai reçu un message. Boum. Ah, je vais en silencieux mon téléphone, deux secondes, voilà, ça c'est fait. Allez, on y retourne. Ah, tambour. Comme ça, il me fait choper toutes les gouttes d'eau. Hop là, on va là. Hop là. Ah, on prend là. Impeccable. Ouais, je vais tout choper. Putain, mais c'est des méga tambours, quoi. Enfin, d'ailleurs, c'est pas les tambours, c'est des tam-tams, je pense. Je dis des tambours, parce que... plus de tambour que tam-tam, mais c'est le des tam-tam. Hein. Ok, c'est genre méga bulle quoi. Est-ce que c'est une salle bonus ça? C'est rouge comme ça en général. C'est que c'est des salles cachées? Bon, je veux un papy moi. Bon, pas de papy. À gauche, y'a rien là. Y'a un tambour, y'a une vie. Ah, attends, j'ai loupé des gouttes d'eau. Deux secondes. Je voudrais bien une arme aussi. Enfin, pour être plus stuff. Hein. D'ailleurs, je prends mon stuff de Kirikou pour ceux que ça intéresse. Bien sûr, je plaisante. Allez, on remonte. Attends, comment on s'est remonté? Ah, d'accord, comme ça. Oh merde, loupé. J'aurais pu le faire. Attends, je vais faire l'attaque de la toupie là. C'est pas mal ça. Merde! Ah, et comment ça se fait que je la touche pas et qu'elle me touche? Salope. Alors, lui, il va me faire chier, je sens. Oh. Ah, je suis passé à travers avec l'attaque de Wistiti, mais tant mieux. Ah, j'aurais bien fait la foudre. Je sais pas si j'ai assez de mana. D'énergie. J'ai juste l'énergie, le truc pour endormir, c'est nul. Boum. Boum. Comment ça? Comment ça? Aïe. Je peux même pas la toucher, quoi. Oh non, je commence ici. Bon, au moins, y'a plus d'ennemis, donc ça doit être plus facile. Allez, on se retape tout. Non, c'est pas là. Bon, la grotte avait pas cette gueule là dans le dessin animé. On aurait essayé l'attaque de City pour passer à travers. Hop là. Oh merde, il m'a blessé. J'ai passé. Ah, comment j'ai esquivé la l'araignée. Putain, lui non plus j'ai pas envie de le battre. Oh putain non! Je suis mort. C'est la fin du niveau. Bon allez, alors on fait en mode balestérique, voilà, je tombe vite. Là j'ai plus que 3 vies du coup. Je sais pas ce qui se passe quand j'ai plus de vie. A mon avis c'est que je recommence juste le niveau depuis le début. Comme dans Mario, je pense. Alors. On réessaye? Merde, ça a pas marché. Ah bah oui, putain, comment je suis censé passer là? À part en faisant le cheat du Wistiti. T'attaques le chapeau. Je vais essayer le chapeau.
J'ai une idée. Non, on peut pas là. Du genre. Façon, là, je peux rien faire là. Genre, si je fais ça. Il fait quoi si je fais ça là? Il rebondit? Et il me pousse? Ah oh, putain, j'aurais dû profiter du temps d'invincibilité pour passer à travers. Ah, à chaque fois je me retape tout, je sais, c'est chiant. Mais on va y arriver au bout de cette grotte de merde. Allez. Non, non, pas toi, pas toi, pas toi. Ouais, est-ce que j'ai passé pour faire la foudre là? Foudre, si, ça doit être avec le bouton A. Boum! Voilà. Ben voilà, c'était pas compliqué. Mon âne est mort pour de bon, je peux crever après. C'est pas lui qui m'a pris. Ah merde! Voilà, quand je parlais de crever. J'ai plus de vie. Donc maintenant, en fait, j'ai plus le droit de mourir. Jusqu'à la fin du niveau, au moins. Après, j'achèterai des vies hein, à ma chère mère. Et pas à l'écurie de merde. Voilà, il n'y a plus d'obstacles en principe. Je vais passer par au-dessus, là, comme j'avais fait tout à l'heure. Non! Pas là, putain, ça glisse. Alors, on prend bien les gens. Hop là. Faut pas déconner non plus. Kirikou. Allez, maman, donne-moi des vies. Ah, encore une cinématique, je suis désolé, vous pouvez pas la voir. En gros, dans les dessins animés, oui, il allait percer une espèce de grosse bestiole qui avait bu toute la flotte en fait et qui bloquait l'entrée. Donc, lui, du coup, maintenant il fuit de la flotte et tout le monde. Bon, on va enchaîner avec le niveau suivant. Je te donnerai une vie contre 200 gouttes d'eau. Tu peux aussi donner de l'eau aux écureuils. Si tu Voilà. n'as pas assez d'eau, je te donnerai. Allez, curieux, oui, là, allez, s'il te plaît, file-moi 200. Bon, bah, 0, connard. Bon, j'ai plus que 3 vies. Ah bah oui, plateau rocailleux, c'est l'avant-dernier niveau avant le boss, je crois bien. Bon, il y avait bien qu'un seul papy. Ah mais c'est que sympa. Je me rappelle, ils y sont dans les salles, une espèce de gros commun là. Viennent reprendre les bijoux là. Ah, je crois que je me rappelle de ce niveau. Il y a une petite subtilité sympa. Mais... Il n'y a rien sur les côtés là. Parce que je ne peux pas entendre le bruit comme ça. Il y a un truc là. Il y a un méchant, ouais. Qui m'a tué. Oui, par ça. Au Kirikou, là, donnez-lui son arme. J'en fous, j'ai envie de le buter le keuf. Non! Arrête de me chier dessus! Crève! Ah putain! Ouais, il fait chier! Allez! Non, je voulais voir ce qu'il fait à gauche, quoi! C'est juste de la flotte en fait! Bon bah j'y vais pas alors, c'est bon! J'ai envie de crever! Comment on y va en dessous là? Putain, c'est de fou là! Tu sais comment j'esquive l'espèce de canard, ça part bien! Tu vois, je te défonce le pire! Oh! Oh! Ah, va t'acheter un bec! Et une gueule aussi! Oh! Hop! Hop, je lui saute sur le dos, voilà! Bossu maintenant. Hop là. Allez, canard numéro 2, tu vas crever. J'ai pas intérêt à crever parce que j'ai plus d'or. Ah, attends, il y avait des trucs derrière. Il y avait une vie en particulier. Oh putain, non. Ah, le canard. Enculé. Bon, le piaf, il me casse les couilles. Ah, c'est là, il y a de la flotte là. Il y a de la flotte. Planqué. Ah putain, j'ai dû faire l'attaque de City là.
Comment on va derrière? Il y a vraiment moyen d'aller derrière, mais je sais pas comment. Faut regarder l'entrée du truc. Ah, voilà, attaque du chapeau. Attends, t'as trouvé. Non, attends, c'est juste une vie, j'ai pas envie de crever pour ça. On va continuer le niveau. Oh, une arme à gauche. Ah, c'est cool. Oh putain, enculé! Alors, il est sorti comme un ninja le mec. Genre en mode pas de pitié quoi. Voilà, allez, on s'en fout. On continue. Voilà, par là. Alors, ça va, mais c'est ninja? Du coup, il est parti. Va te faire foutre. Non! Ah, game over. Ouais, ça fait quoi? Ah, j'en prends le truc. Ouais, du coup, c'est bien ce que je pense à. Ça reprend le niveau au début. Bon, c'est pas très grave, hein, vu que bon. J'ai pas atteint de point de sauvegarde. Ah, lui, il va se faire une attaque de City là. Bon, il m'a mis un coup, mais au moins. Ah, putain, merde. Une cachette, c'est farci de monstre. Oh, une vie. Ah, une arme, ça va, ça passe. Voilà. Bon, on en ressort. Attends. Lui va se bouffer la foudre, lui. Faut qu'il y ait que lui dans l'écran, parce que sinon ça risque d'en faire plein. Voilà. Merde, c'est bien. L'araignée en sort. Ah, il y tape. Cool. Oula. Je t'ai entendu. Oula, encore un piaf. Coucou. Qu'est-ce qu'il y a en dessous, là? Loupé. Ouais, ils sont nuls. Regarde. Je fais défense. Je vais leur améliorer à fond. Regardez comment j'ai défoncé. Boum! Attaque du tournicoti, tournicota. Ah, je loupé. Attends que je t'atteigne. Boum! Voilà. Ça fait un peu d'énergie comme ça après pour défoncer les gros, c'est plus pratique. Attends, j'avais un truc en haut là, non? Ah, une arme. Moi, je suis déjà mort. Ah, c'est utiliser l'énergie de faire le tourbillon, lol.
j'ai pas fait gaffe. Voilà. Ah, un tronc, attends, y'a un truc là-bas. Ah, y'a juste de la flotte. Putain, il m'a chié dessus, du coup, il en a profité, enculé. Bon, tant pis, voilà. Toi aussi, j'ai envie de te manger. Voilà. Voilà. Attends, comment on y va en dessous? Alors, qu'est-ce qu'il y a un truc dans ce tronc là? Ah, d'accord, bah, c'est comme ça qu'on y allait. Je vais voir si ça continue. Oula, c'est quoi ça? Il y a un nouveau ennemi là. Mon dieu, mais le jeu continue de me surprendre. Ah merde, il m'a touché. Voilà. Attends, ça va où là hein? Ça va nulle part. Bon. J'ai pas envie de faire le test. En tout cas. Alors, il va se bouffer une attaque du whist. Non, je voulais pas aller par là. Ah, comme ça. Je peux tout quand il est face à moi, il doit me mettre des coups de lance et tout là. Ouais, c'est bien ce que j'ai pensé. Ouais, bah, je passe par derrière là. Attaque du City. Voilà, boum. Surpuissant. Toi aussi, attaque du City. Allez, c'est parti. Boum. Boum. Merde. Culé de rocher. Ah, une étape. C'est bien qu'il y avait des trucs en dessous. Je vais voir ce qu'il y a en dessous, il y a peut-être un papy, hein. Il me reste encore à trouver le papy. Ah ! Merde, j'ai paniqué. C'est ça que je voulais faire. Non ! Oh merde, bon, c'est pas grave, il y avait une étape juste ici. Vas-y, ramène-toi l'autre. Ramène-toi. Ah, un truc là, je suis sûr qu'il y a un papy là. Ah tiens, boum. Je connais pas le jeu par cœur, hein, mais bon voilà, là c'est évident. Évident. Bonjour, bonjour, j'ai enseigné le pouvoir de faire trembler la terre. Trembler la terre. Alors, c'est le pouvoir, monsieur Tonto. Un tremblement de terre se couvrira et affaiblira tous les fétiches à proximité. Ouais, moi je veux que ça les bute, moi je veux pas que ça les affaiblisse, moi j'ai déjà l'explosion de feu, moi. Bon, tant pis, c'est pas grave. Au moins, et j'ai tous les papys du coup. Ouais, j'ai tous les enseignements. Ça veut dire qu'on approche de la fin du jeu. Mais je crois que ce niveau est l'avant-dernier. Hein. Je garderai le dernier niveau donc pour le dernier épisode. Mais que le jeu était assez court quand même. Enfin, je dis ça, mais j'ai pas encore fini. Hein. J'ai pas encore fini. Putain, comment on fait pour valider? Qu'est-ce que t'espérais toi? T'espérais me choper comme ça toi, avec tes grosses mains là? Pas propre, ça se trouve. Là, petit passage. Tac tac. Tiens, tu croyais quoi toi? Je profite qu'il me tombe de haut. Mais là, regarde. Je vais passer par derrière, regarde. Hop là. Voilà, en plus, ils sont pas si forts que ça, tant qu'ils les attaquent par derrière. Toi aussi, t'es nul toi. Voilà. Moi, je les enchaîne, moi, je suis un Tekken là. Sous Calibur. Boum. Boum, merde. Je peux pas faire l'attaque de Wicity quand j'ai pas d'armes, c'est chiant ça. Mais du coup je suis mort. À force de faire le con. Oh le con. On s'est raffolé en dessous. Et reviens, cette espèce de sale canard va. Voilà, bon. Je défonce avec un bâton moi. Et je parle pas de ma bite. Est-ce qu'on voit la bite de Kirikou d'ailleurs? Ah ouais, un tout petit peu. Si... Alors, comment vaincre ses ennemis en deux étapes? Un, et alors c'est quoi que je vous pas? C'est ça. Voilà. D'accord, c'est en dessous de l'endroit qu'on est. Qu'est-ce qu'elle fait toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me blesses toi? Boum, je défense. Voilà. Tiens, comment on fait pour aller plus haut? C'est en train de nous faire un concerto, les mouches, là. Non, merde.
Allez, on y retourne, on se dépêche, voilà, comme ça. Attends, ça va quelque part là? Ah oui, ça va. Ah non! Hé! Hey, j'étais pas allé là. Ah, c'est pour choper toutes les bulles. Ou alors pour aller plus vite. Ça marche aussi. Voilà, ça s'est fait. Ah putain, le putain de piaf qui m'a encore niqué. Chaque fois, ils me prennent par surprise au dépourvu. Hop là, toi, je t'esquive, j'ai pas le temps. J'ai pas d'armes, surtout. Putain, il va où? Il fait quoi, ce tambour? Ah, oh, des nichons. Non, c'est juste de rond. Faut que j'arrête. T'es une armée d'abeilles, là. On nous fait un concerto là. Boum. Boum. C'est vrai qu'elles sont plutôt faibles les abeilles. Hein. Trois petits coups sur la tête et elles sont mortes. Voilà. Tac tac. On passe par là. Hop là. On crève pas dans le trou. Surtout pas. C'est pas bon pour la santé hein, de mourir dans les trous. Je vous le déconseille. Voilà, donc comme ça on a le petit bâton qui va bien. On peut faire l'attaque de Wii City, hein, c'est ce qui compte. Hein. Hop là, tac tac. Ah, une étape. On approche de la fin du niveau, mais je crois qu'il y a une petite subtilité pour ce niveau, mais je vous dis rien. Mais... si ma mémoire ne me fait défaut. Qu'est-ce que t'espères toi? Regarde. Ah, la toupie, j'ai dit. Voilà. Attaque de Wii City? Ah, boum! 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 T'as Wii City, c'est sympa quand même! Voilà. Il y a des cailloux là qui sont fâchés, ils sont vénères! Angry cailloux là! Angry rock! Ouais, il dit! Ah, attends, j'ai envie de faire un truc là, il y a plein d'ennemis là! C'est quoi c'est? Boum! Crevez. Ah, c'est genre... on approche peut-être de la fin du niveau. Mais que se passe-t-il? Ah oui, on arrive au papy. Bonjour, Kirikou. Ta quête touche à sa fin. Pourquoi il parle plus? Je vais te révéler le secret de Karaba. Karaba est méchante parce qu'elle a mal. On lui a enfoncé dans la colonne vertébrale une épine empoisonnée. Arrache cette épine et le village sera libéré. Le passage secret vers sa case est dans la termitière rouge. Dépêche-toi d'y retourner. Karaba va bientôt déchaîner sa magie sur toi. Ah, la salope. Voilà, donc en fait, maintenant, il faut que je retourne au début du niveau et j'ai du temps limité. C'est bien ce que je pensais, pour faire le niveau à l'envers, un peu comme dans Halo. Heureusement que j'ai le pouvoir de courir. Ah, les mecs qui sautent de ma gueule quand je meurs, ça remet la musique. Ouais, il est mort, enfin, saloperie, vous l'aimez pas. Il arrêtait pas de courir partout, il était chiant, Kirikou. Non mais... je suis pas d'accord là. Ouais, le temps qui me reste en bas à droite, ça recommence à chaque fois que je meurs, heureusement. Ah, m'en fous, moi je prends les armes. Je sais pas s'il reste des ennemis. Je crois qu'ils en remettent. Hein. Alors, en fait, il faut laisser tomber et puis refaire le double saut. Hop là. C'est la musique qui va bien là. Qui stresse un peu, mais bon, ça va encore. Boum. Oh, y'a un trou là. Sale bonus, je m'en fous, moi. Je fais les sales bonus. Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas vu aller, merde. Putain, j'ai pas le temps de faire le con là, faut que j'y retourne. Qu'est-ce que je fous moi? Non. Putain, je vais perdre. J'ai plus de vie, j'ai pas envie de recommencer, non. Ça va falloir courir les amis. Je sais pas comment on y va à la case, mais bon. Voilà. Non. Voilà. J'ai failli tout recommencer parce que j'ai plus de vie là, je vous préviens. Putain, le tambour enculé.
Je fais gaffe. Il me reste moins de la moitié du temps. Mais je vais être loin. Je vais arrêter de prendre des risques. Non, c'est bon. Encore une étape. Je sais pas encore. Non, merde, c'est pas par là. Oh putain, voilà. Et bon bah tant pis, on refera ça au prochain épisode hein, parce que je pense que celui-là a duré assez longtemps. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur Kirikou. Au revoir.